Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un labyrinthe. Ça va être quelque chose d'assez rapide à faire et on va commencer par se créer un nouveau document en format 210 mm par 210 mm, donc un format carré. On va créer du coup un arrière-plan transparent et on va faire créer. Hop. Et ensuite, on va commencer par prendre l'outil de forme rectangle. On va maintenir Shift et on va venir faire un carré de 10 mm par 10 mm. Donc là, pour être précis dans les valeurs, vous allez sur le panneau transformé. Vous mettez la petite chaînette pour verrouiller les proportions et vous mettez 10 mm. Ensuite, ce petit carré-là, on va venir lui mettre un fond noir 100% CMJN. Et ici, on va lui enlever son trait pour ensuite venir dupliquer cette forme-là une première fois avec CTRL et SHIFT de maintenu. Et on va bien venir se plaquer sur l'arête droite de notre premier carré. Et ensuite, on continue à dupliquer une vingtaine de fois ce carré pour pouvoir avoir 20 carrés et donc avoir une largeur de 200 mm. Voilà. Donc là, normalement, on a une largeur de 200 mm. On est à 190. Ok, j'ai mal fait le calcul. Donc on va rester à 190, les aléas du direct. Et ces rectangles-là, on va tout simplement venir les grouper avec un CTRL-G. Et on va venir là aussi dupliquer notre ligne de carré en maintenant Shift et CTRL, histoire de dupliquer toujours dans la même position verticale ou horizontale. Hein. Et donc là, on relâche et on a un deuxième groupe de carré qui est fait. Et on va venir faire un CTRL-J là aussi pour avoir un carré complet. Donc là, en gros, vous avez déjà une trame. Vous faites un CTRL-A et vous faites un SHIFT-CTRL-G pour dégrouper tous ces carrés. Et vous allez pouvoir commencer à tracer votre petit labyrinthe, tout simplement en venant effacer les carrés que vous souhaitez. Et donc, vous allez tracer votre premier chemin, par exemple. Hop. Donc, je le fais de manière assez succincte et assez rapide, histoire que la vidéo ne soit pas trop barbante. Donc, vous tracez votre chemin. Vous voyez que là, c'est très rapide, que Affinity Designer peut aussi sélectionner automatiquement d'autres carrés. Donc, ça, n'hésitez pas à le prendre. Hop. Et donc, ensuite, vous voyez que ça se fait très très rapidement pour faire le premier chemin. Et on va faire la sortie au bout ici. Voilà, donc là vous avez déjà votre chemin et si vous souhaitez tracer la solution, eh bien faites-le maintenant tant que vous avez le chemin sous les yeux. Pour cela, vous venez sélectionner déjà un premier carré ici par exemple. Vous prenez l'outil plume et cet outil plume là, vous voyez, vous venez bien aimanter sur le milieu. Et voilà, vous voyez que sans forcer, sans toucher aucune touche, le milieu est retrouvé. OK? Donc là, on va partir d'ici. On va maintenir Shift. Et on va essayer, là, pareil, d'essayer de se mettre à peu près au milieu. Et on continue comme ça en maintenant Shift pour tracer notre chemin et qu'il soit à peu près au milieu et fait correctement et assez rapidement. Donc là, votre solution, elle est tracée. C'est nickel, c'est rapide. Vous lui attribuez bien sûr une couleur et une épaisseur de trait, histoire de le voir. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à renommer ce calque-là solution, histoire de ne pas la perdre, cette solution, et vous venez cacher la solution. OK? Par la suite, vous pouvez donc venir tracer le reste de votre labyrinthe. Donc là, je vais sûrement accélérer la vidéo parce qu'il n'y a rien de très intéressant à supprimer des carrés pendant 2 ou 3 minutes. Donc silence, un petit passage rapide et on revient juste après.
Voilà, on a tracé notre labyrinthe et donc maintenant on va pouvoir venir sélectionner tous ces rectangles-là, tous ces carrés-là avec un contrôle A et on va faire une opération d'addition, donc une opération booléenne d'addition. Hop, et donc là on a figé notre labyrinthe, on a figé la forme du labyrinthe. Donc vous voyez que ça a été plutôt rapide, que votre solution elle est toute tracée. Et donc là maintenant vous pouvez créer vos propres labyrinthes originaux. Donc la méthode est la même, quelle que soit la grosseur ou la longueur du labyrinthe. Donc n'hésitez pas à le faire et à publier ça pour vous, pour vos enfants ou pour faire du business avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo ainsi que la chaîne. On a déjà atteint plus de 2000 abonnés. Je vous remercie encore vivement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a servi aussi et que vous l'avez appliquée. Et bien sûr, partagez-la un maximum sur les réseaux afin de partager le savoir sur Affinity Designer. C'était Laurent. À plus. Ciao.